Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le mois du consommé local et le Miator édition 2023, c'est fini. À l'année prochaine, les deux événements ont connu leur apothéose hier à Lomé, marquée par une soirée avec tous les acteurs concernés. Au sommaire, également la troisième session des journées techniques des experts comptables stagiaires. Une cinquantaine d'experts comptables des huit pays de l'UEMOA renforcent leurs compétences en vue de l'obtention d'un diplôme d'expertise comptable. Et puis, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Les cours ont débuté ce lundi après une semaine de congé détente. Une mesure fort appréciée par les parents d'élèves. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce lundi. Le jubilé d'or du sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo, le président de la République Fort Essozimna Niasingbe a pris part ce dimanche à la messe d'action de grâce à Togoville, une célébration qui marque en outre la fin du grand pèlerinage annuel sur le site. Les fidèles ont été exhortés à promouvoir les valeurs sociales, la citoyenneté et les vertus de paix. Ulrich Améga. Des applaudissements nourris de la communauté catholique et des populations de Togoville qui illustrent un accueil chaleureux réservé au chef de l'État, Fort Essozimna Niasingbe, à son arrivée au sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo. Un grand moment de communion que le président de la République a partagé ensemble avec les fidèles chrétiens catholiques autour des valeurs de paix, d'unité et de fraternité, chères à toutes les filles et fils de la nation togolaise. Un moment qui restera à jamais gravé dans les mémoires des uns et des autres. Nous avons vu le chef de l'État, c'est une grande joie pour nous. Ça montre qu'il est père pour nous tous, sans exception. Il a participé à cette célébration eucharistique, il a donné de tout son cœur et nous prions pour lui. Ah ben, c'est toute une grâce d'avoir un président qui s'intéresse aux activités religieuses de son pays. Ça a été une surprise agréable. La présence du chef de l'État à cette célébration eucharistique laisse une marque spéciale au jubilé d'or de ce sanctuaire. L'Église en est reconnaissante. Dans une société sous pression des réseaux sociaux et du relativisme, ils sont peu nombreux ceux et celles qui nous laissent un témoignage héroïque d'une vie citoyenne ou chrétienne exemplaire. Malgré les vents contraires, nous devons persévérer dans le bien. Fuyons le mal avec horreur et rivalisons-nous dans le bien. Que les paroles de Jésus nous aident à faire un sérieux examen de conscience. Votre présence non seulement honore l'Église catholique et notre diocèse, mais également toute la nation togolaise. Cette liesse populaire illustre à suffisance l'adhésion des populations aux valeurs de paix, du vivre ensemble et d'union prônée par le président de la République, Fort Essozimna Niasingbe. Une délégation du Conseil national de la sauvegarde de la patrie du Niger était au ministère togolais des Affaires étrangères ce jour où elle a tenu un point de presse. Le chef de la délégation, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général Modi Salifou, a partagé avec les journalistes les échanges qu'ils ont eus avec le président de la République, Fort Essozimna Niasingbe. Échanges qui ont été meublés par la situation au Niger. Le message de félicitations adressé par le président de la transition au chef de l'État, Fort Essozimna Niasingbe, pour son combat pour la paix. Sans oublier le souhait du Niger de faire du président Fort Essozimna Niasingbe un facilitateur. Marie-Ange Bida. La préservation et la recherche de la paix et de la stabilité au Togo et dans la sous-région sont au cœur des priorités du chef de l'État, Fort Essozimna Niasingbe. Cet engagement le précède sur tous les fronts. L'un d'eux est le Niger, pays frère et ami du Togo, qui traverse depuis quelques mois une situation délicate. Le pays sollicite l'aide du président de la République.
Des émissaires du CNSP, Conseil national de sauvegarde de la patrie, sont à Lomé, conduits par le général Maudy Salifou, ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Ils sont porteurs d'un message du président de la transition nigérienne. Au cours de cette audience, nous avions saisi l'opportunité de rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la situation au Niger. Une situation qui est calme, maîtrisée, malgré les difficultés. Dans cette situation, au-delà de l'engagement interne, il faut dire que à l'extérieur, nous comptons fort heureusement sur des amis. Et parmi ces amis, nous avons le Togo à nos côtés. Les dirigeants togolais et le peuple togolais nous ont manifesté la plus haute et la plus grande sympathie et aussi la contribution nécessaire pour supporter ces difficultés. C'est le lieu de remercier les dirigeants et le peuple togolais pour ses efforts. Au cours de son entrevue avec le chef de l'État, la délégation nigérienne a fait cas du retrait de son sol des forces françaises. Ce, après un accord convenu entre les deux parties. Afin que tout se passe dans de meilleures conditions, le CNSP sollicite le regard du Togo dans l'exécution du dit accord. Et aussi que le président de la République, Faurisson Zenanya Singbi, soit facilitateur dans le dialogue avec les partenaires. Dans cet accord, nous avions exigé qu'un certain nombre de pays soient garants de cet accord. Nous avons surtout exigé que le Togo, notre frère, notre pays frère, pour toute la contribution que ce pays ne cesse de nous apporter, nous avons demandé à ce que le Togo soit notre garant dans cet accord. Nous avons aussi demandé au président de la République du Togo d'être un facilitateur, de pouvoir faciliter ce dialogue avec nos différents partenaires. Et nous sommes convaincus, avec la sagesse et la grande vision du président, il acceptera de jouer ce rôle. Quand il s'agit de préserver la paix, le Togo sera toujours aux premières loges pour accompagner les États. Le ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, l'a encore réitéré à la délégation du CNSP. Le Togo a toujours été du côté de la paix. Le Togo s'oppose toujours à toute prise de pouvoir par la force. Le Togo s'oppose à tout coup d'État. Mais dans la situation particulière de votre pays, le Togo comprend et le Togo veut vous aider. Et en vous aidant, le Togo veut s'aider lui-même pour qu'enfin, dans notre pays, dans notre région, il y ait la paix, l'harmonie et la stabilité. Le président de la République tout à l'heure vous disait que si le Togo ne s'engageait pas à vous aider, sa crainte, et je répète ce que le président Faure Gnassingbé a dit, c'est toute la région qui va s'ébranler. Donc aider le Niger pour le président Faure Gnassingbé, c'est aider la CEDEAO et c'est aider la région. Le Niger et le Togo sont liés par des années de coopération bilatérale. De ce fait, l'actualité au Niger est suivie de près par le chef de l'État, Faurisson Zenanya Singbé.
engagé pour un retour à la normale le plus tôt possible, dans l'intérêt des populations qui ont besoin avant tout d'un climat de sécurité et de paix pour vaquer librement à leurs occupations. Ça y est, c'est fini. Le marché international de l'artisanat du Togo et le mois du consommer local ont connu leur apothéose hier à Lomé. C'était au cours d'une soirée qui a réuni aussi bien les artisans que les organisateurs de ces deux événements. Le mois du consommer local et le Miato sont un succès selon les promoteurs. Carmen Madiakapo. Le rideau tombe sur le Miato, marché international des artisans du Togo et le mois du consommer local de 2023. Ces deux événements ont vu la participation des artisans, qu'ils soient originaires du Togo ou d'autres pays invités. Tous ont brillamment démontré leur passion et leur génie créatif. Le secteur privé est plus que déterminé à valoriser sa capacité productive, que ce soit dans les secteurs agroalimentaires, artistiques, artisanaux, textiles, services ou innovations. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité d'organisation de cette 4e édition du mois du consommer local. Leurs engagements et leur dévouement ont été déterminants pour le succès de cet événement. Après 12 jours de rencontres d'affaires, d'échanges d'expériences et de partage de connaissances, l'heure était au bilan. Cette année, la 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, est venue s'insérer harmonieusement dans le mois d'octobre, mois du consommer local. En effet, il nous tenait à cœur que chaque acteur, aussi bien du consommer local que du marché de l'artisanat, tire son épingle du jeu en rentabilisant son implication à ces deux événements. Au regard des témoignages et des retours qui nous parviennent, la participation à ces deux événements a été fructueuse pour les uns et les autres. Qu'il me soit permis de formuler notre déférente gratitude à son Excellence Monsieur Faure et Sazina Mnyasimbe, président de la République, qui, dans sa vision d'un Togo rayonnant dans le concert des nations, a mis les moyens pour la tenue effective de ces deux importantes manifestations. Le marché international de l'artisanat du Togo est un endroit enchanteur où se rencontrent la diversité culturelle et la créativité artisanale du Togo et du reste du monde. Des prix ont été remis aux artisans les plus méritants, y compris le prestigieux prix du chef de l'État attribué à deux entrepreneurs du domaine textile, Nadiaka et Panafricain. Le prix de l'innovation d'une valeur de 1 million de francs CFA a été décerné à un entrepreneur malien qui a inventé un réfrigérateur en calebasse. De nombreux autres prix ont également été remis pour honorer l'excellence artisanale. Le Carrefour des Jeunes à Tindiassi, dans la préfecture de Mo, une initiative du cabinet Yilim sur les questions en lien avec l'emploi et l'entrepreneuriat. 3 jours d'échanges sur le rôle des micro, petites et moyennes entreprises dans le développement économique des collectivités territoriales au Togo. Les participants ont été outillés sur la création et la gestion efficace d'une entreprise. Serge Tastom, reportage présenté par Abide Niasimbi. Dans le monde d'aujourd'hui, le développement sous toutes ses formes préoccupe nos dirigeants. Au Togo, la lutte contre le chômage des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat sont au centre des débats. Le cabinet Yilim s'engage activement sur le terrain, comme en témoigne la récente rencontre à Tindiassi. Cette réunion a rassemblé les acteurs locaux pour discuter du rôle essentiel des petites entreprises dans le développement des communautés. Carrefour Jeunes est un cadre de formation, d'information et de maintien du dialogue avec les différentes couches en quête d'innovation et d'épanouissement des activités porteuses de développement socio-économique. L'objectif de cet atelier est de contribuer à la redynamisation du potentiel de la jeunesse de la préfecture de Mo, de consolider la formation des jeunes et femmes, mais aussi des adultes qui acceptent de relever le défi de créer des activités
favorisant leur inclusion sociale et économique telle que souhaitée par le gouvernement. La préfecture de Meaux possède un potentiel impressionnant pour stimuler le développement local. Son paysage magnifique et ses cascades en font une destination touristique prometteuse, prête à contribuer à son progrès socio-économique. Mais reconnaissance bon au chef de l'État, son excellence Faure Issa-Dome Nyasinghe, qui a tourné son regard vers notre milieu, qui en a fait une préfecture, et grâce à cette initiative qui permet d'attirer les événements comme celui-ci et également faire profiter la population, la jeunesse de notre préfecture. Avant la préfecture, il n'y avait pas de route, il n'y avait même pas d'école, il n'y avait pas d'infrastructure, il fallait cette volonté. Ce qui veut dire, jeune entrepreneur, quand vous avez une idée, avec les moyens que vous avez, avec la peur que vous avez, avec les incertitudes que vous avez, il faut la commencer et il faut y croire. La rencontre à Tindiassi a également permis aux jeunes de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Ils ont appris à créer et gérer leur entreprise. À la fin de la formation, 11 projets ont été récompensés et tous les participants ont reçu des certificats. Cette rencontre a également marqué le lancement officiel du Haut Conseil pour le développement de la préfecture de Meaux, ce qui ouvre une nouvelle ère de progrès pour l'ensemble de la préfecture de Meaux. Passons maintenant à la troisième session des journées techniques des experts comptables stagiaires. Ils sont une cinquantaine à approfondir leurs connaissances pour l'obtention prochaine du diplôme d'expert comptable et financière de l'UEMOA. Karine Olanlo nous en dit plus. Des experts comptables venus des 8 pays de l'UEMOA se font former sur plusieurs thématiques en lien avec leur profession. Une formation technique pour les préparer dans leur processus d'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA. C'est la troisième session des journées techniques des experts comptables stagiaires de la troisième année. Pendant ces journées techniques, il y a des thématiques qui sont identifiées en lien avec les épreuves qui sont souvent demandées. Et il y a des experts comptables expérimentés qui sont recrutés et qui ont la responsabilité d'animer ces thèmes-là, de partager leur expérience professionnelle avec ces futurs experts comptables. Le résultat attendu à la fin est que le taux de réussite des experts comptables stagiaires au diplôme final d'expertise comptable soit un taux élevé, un bon taux, afin qu'on arrive à avoir beaucoup d'experts comptables dans la sous-région, puisque nos États en ont besoin. Les journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA s'étendent sur une semaine. Elles sont portées par l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Togo en collaboration avec le secrétariat permanent du DECOFI. C'est parti pour la campagne de sensibilisation des travailleuses et travailleurs domestiques sur leurs droits. Ce projet est à l'initiative de la coordination des centrales syndicales et la synergie des travailleurs du Togo. Sandra Ziagbe. Un plaidoyer en faveur de la législation des droits des travailleurs domestiques au Togo. Des organisations syndicales en rang serré pour venir à bout de la vulnérabilité des travailleurs et travailleuses domestiques dont les conditions de travail sont déjà précaires. Il s'agit de pouvoir revisiter au niveau du Code du travail les aspects de la Convention 689 qui sont déjà inscrits dans notre loi du travail et susciter auprès du gouvernement la ratification de cette convention. Il y a des besoins en matière de rémunération, des besoins en matière de protection de leurs droits, en matière d'assurance maladie. Une vaste campagne de sensibilisation et d'information sera menée du 6 au 11 novembre sur le sujet avec des programmes bien établis. Des émissions radio diffusées, il doit y avoir aussi de la sensibilisation pour attirer l'attention de l'opinion nationale sur
la ratification de la Convention C189. Les travailleurs domestiques représentent une part importante de l'économie. Et lorsque vous donnez du pouvoir d'achat aux travailleurs, ça veut dire que vous augmentez la consommation. Les centrales syndicales ont unanimement appelé les travailleurs domestiques à rejoindre les différentes organisations ayant en partage la défense de leurs intérêts. L'autre actualité du jour, le retour en classe après une semaine de congé détente, une première dans le système éducatif togolais. Élèves, enseignants et parents nous livrent leurs impressions par rapport à cette mesure dans ce dossier réalisé par Maoko Ayanor et présenté par Karine Olanlo. Collège Béatrice Pascal, il est 10h dans cette classe de 4e. Habituellement, c'est l'heure du cours des sciences physiques. Mais ce n'est pas le cas ce lundi. En lieu et place, la correction des exercices de maison. Des devoirs qui ont occupé ces élèves durant le congé de détente. Durant cette une semaine de congé de détente, on nous a donné des exercices de plusieurs matières. Et pendant ces congés-là, je ne peux pas nier que j'ai été que sur mes cahiers. J'ai fait mes exercices et je me suis aussi amusée. Pendant ces congés de détente, j'ai pu mieux travailler mes cours, traiter plus d'exercices, avoir plus de temps pour m'organiser mieux, refaire mon emploi du temps et améliorer mes révisions. Ça m'a beaucoup aidée dans le sens où j'ai pu aussi me reposer. Le congé de détente, un moment de répit où les élèves et les enseignants ont pu se reposer et se ressourcer. Beaucoup d'enseignants en ont profité pour mieux se réorganiser. Les élèves sont restés en contact avec la matière, l'école, le travail, les exercices, parce qu'on ne les a pas laissés seuls. On a essayé de les occuper plus ou moins, mais de façon plus relaxée. Ça a été édifiant pour nos enseignants, parce que même si c'est un moment de repos pour nous, on a révisé nos fiches et ça nous a permis de réactualiser nos fiches, de se repositionner pour cette reprise. Dans le système éducatif national, le congé de détente est un élément nouveau dans le calendrier scolaire au Togo. L'initiative est bien appréciée par les parents d'élèves. Moi, j'ai apprécié parce que j'ai profité pour parler bien avec ma fille par rapport à ce qu'elle a fait durant et ces 3 semaines de cours-là. On a eu le temps de pouvoir discuter, d'échanger et sur leur travail à l'école. C'est parti pour 6 semaines de cours non-stop avant les congés de Noël. Le second congé de détente pour le compte de l'année scolaire en cours est prévu en février 2024. Une mesure du gouvernement pour renforcer la qualité de l'enseignement, mais aussi pour rendre plus dynamique le système éducatif national. Au registre éducation, toujours à Sokodé, le ministère des enseignements primaires et secondaires a remis un important lot de documents didactiques, essentiellement des livres scientifiques au profit des directions régionales de l'éducation. C'est pour renforcer l'équipement des établissements dans les séries scientifiques. Désiré Aloy. Le gouvernement togolais met des bouchées doubles pour renforcer davantage son système éducatif base de développement. Au travers du ministère en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques, les établissements scolaires du secondaire des 7 régions éducatives du Togo se voient dotés d'un important lot d'ouvrages scientifiques, 10 000 documents, pour faciliter les pratiques d'apprentissage et de formation. Les documents ont été remis aux directeurs régionaux de l'éducation par le secrétaire général du ministère, représentant le ministre. C'est une joie extrême qui m'anime. Permettez-moi de remercier le chef de l'État, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, qui est un homme de parole. Il y a quelques jours, on a proclamé le concours de recrutement des enseignants de sciences. Quelques mois auparavant, c'était la formation des enseignants en sciences expérimentales. Et joignant l'acte à la parole, il a envoyé des manuels de sciences pour booster l'enseignement de cette filière au Togo. Nul n'ignore l'intérêt des sciences dans le développement d'un pays.
et les premiers responsables du pays ont mesuré cette portée et ont mis les moyens à chaque fois pour que les sciences puissent évoluer dans le pays et contribuer à son développement. Ces documents constituent un tremplin dans la formation. Le gouvernement togolais, depuis quelques années, promeut les séries scientifiques en créant l'émulation pour stimuler les apprenants à s'orienter davantage vers ces séries porteuses pour atteindre les objectifs. Nous allons en faire bon usage. Nous allons les remettre aux établissements qui en ont le plus besoin, là où il y a les besoins les plus prioritaires. Que ces documents contribuent largement à leur réussite dans les matières scientifiques. La qualité de l'enseignement reste une priorité pour répondre à la feuille de route gouvernementale. Toutes les régions éducatives du Togo ont reçu chacune sa dotation pour renforcer l'enseignement de qualité au bénéfice de la relève de demain. La responsabilité revient aux premiers responsables des établissements et les enseignants dans l'utilisation judicieuse de ces documents précieux. Dans le reste de l'actualité nationale, point de presse organisé par l'ONG Les Amazones de la République. L'organe de veille citoyenne est revenu sur les maux qui minent le continent africain. Ces femmes, ces Amazones, plaident pour une Afrique totalement libre et en appellent à une prise de conscience. Sandra Ziabé. L'Afrique, depuis quelques décennies, est en proie des guerres, des foyers et de tensions et des crises interminables. Conséquence, des instabilités qui sapent les efforts de développement du continent. Et à l'heure des grands enjeux mondiaux, la bataille pour sa liberté totale se poursuit avec une prise de conscience générale à tous les niveaux. L'organe de veille citoyen de l'ONG, les Amazones de la République, n'est pas en reste. Ces femmes plaident pour une Afrique unie et totalement indépendante. Les Amazones appellent à une mobilisation générale pour des actions concrètes sur le terrain et demander les leaders politiques d'être au-devant de cette lutte. Parce que depuis toujours, la lutte est là, depuis des décennies. Tant que le politique ne s'implique pas, les résultats tardent à venir. Les Amazones de la République se félicitent du dernier forum sur la paix et la sécurité au Togo. Elles saluent la diplomatie du chef de l'État fort, Esolzina Nyasingbe, et souhaitent mieux. Il y a un certain mutisme de la part du gouvernement. Mais à travers l'Assemblée générale de l'ONU, la diplomatie togolaise est sortie de son silence. Et effectivement, on voit déjà sur le terrain, avec la conférence sécurité-paix, c'est déjà des actions. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit faire plus. Il doit passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? Dénoncer, par exemple, les accords coloniaux, emboîter les pas aux pays du Sahel, sortir du CFA ensemble avec les autres pays de la sous-région. C'est un facteur qui permettra quoi, quand même, le panier de la ménagère d'être plus ou moins garni. Et c'est ça notre lutte. Conscient donc des enjeux et sacrifices, les Amazones de la République invitent toutes les forces vives du continent, l'ensemble des peuples africains et sympathisants de la cause africaine à l'international à soutenir et à appuyer ce légitime combat. La communauté burkinabé au Togo se félicite de l'élan de solidarité que partagent ses membres et appelle à plus de dynamisme dans les actions en faveur des vulnérables. C'est à l'occasion de la célébration de la journée de solidarité, la 7e du genre. Les membres de la communauté remercient les autorités togolaises pour leur hospitalité légendaire et qui leur est réservée au Togo. Les manifestations se déroulent dans les locaux du consulat du Burkina Faso à Lomé. Komu Poyodé. La célébration des journées de solidarité constitue une occasion pour la communauté burkinabé au Togo d'implorer la bénédiction de Dieu sur tous les membres, mais aussi et surtout inculquer davantage aux uns et aux autres les valeurs sociales que sont l'amour du prochain, la solidarité. C'est également un appel
pour plus d'actions en faveur des membres démunis et vulnérables. Tout le monde sort au Burkina, va à l'aventure pour se chercher son pain quotidien. Mais ce n'est pas tout le monde qui est toujours accueilli. Donc il y a toujours des hauts et des bas. Et face à cela, il y a toujours nos compatriotes. Souvent en cas de décès d'un compatriote, on ne sait pas comment pouvoir au moins faire l'enterrement. L'idée est venue de faire cela pour pouvoir aider les démunis et puis pouvoir en tout cas, en cas de décès ou en cas de maladie, pouvoir faire face à cela. TIMCO s'est toujours engagé auprès de la communauté depuis plusieurs années à aider, à financer donc les activités de solidarité. Parce que pour nous, la solidarité, c'est l'un des points essentiels qui puisse unir les peuples. Donc la solidarité va au-delà du peuple burkinabé. C'est une valeur, j'allais dire, humaine. Et nous allons travailler à chaque fois que besoin se fait. Les manifestations ont permis aux responsables de la communauté de saluer et féliciter la qualité des relations bilatérales entre le Togo et le Burkina Faso. Nous ne faisons dans le cadre de ces journées que de perpétuer une tradition, que de rappeler des valeurs qui doivent guider notre vie, vivre ensemble. Le Togo est une terre d'accueil. Et elle est terre d'accueil pour autant les Burkinabés que les autres communautés qui y vivent. Les autorités sont attentionnées à tout ce que nous leur posons comme difficultés et ils trouvent toujours des solutions. Et nous ne finirons jamais de les remercier. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui se sont plus engagées en faveur de la réussite de cette initiative. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.